Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin. Pour ce lundi, le 5 octobre, nous commençons avec un grand titre. CESE célèbre 30e la journée enseignant en baptême l'éducation et responsabilité partagée, thème qui UNESCO a choisi et Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. Dimon Pegaya a demandé pour prendre précaution pour empêcher la transmission virus HTLV1, une maladie qui son cas peut augmenter doucement dans le pays. Le ministère responsable pour l'habitat est expecté construire 3000 la case dans sa prochaine 6 ans pour adresser demande pour la case. L'équipe CESE est sortie 45e dans la compétition internationale Global Challenge. 74 îles dans l'océan Pacifique, Atlantique et l'océan Indien une demande aux Nations Unies pour effacer toutes dettes pour être capable et toutes bonnes citoyens faire face avec changement climat. Et WHO commence une rencontre des eaux pour évaluer pandémie virus corona et réponse globale à sa maladie. Nous voir bon détail. Madame Daniela Joubert, enseignante français, sortie de l'école Poids de la Rue secondaire, et gagne reconnaître comment enseignant avec plus longue l'état en service pour sa l'année avec 45 ans l'année service. Madame Joubert, parmi 50 enseignants qui gagne reconnaître pendant la cérémonie Award annuel bon enseignant, qui est fait contre conférence internationale après-midi. Sa cérémonie coïncide avec la journée mondiale enseignant aujourd'hui, le 5 octobre. Salon est aussi fait 30 ans depuis qu'il s'est fait la journée enseignant en baptême l'éducation et responsabilité partagée, thème qui peut servir pour plusieurs années. Et sa cérémonie par mardi, il fait après-midi et nous prenons plus de détails dans nos bulletins plus tard. LDS envoie un message d'appréciation et reconnaissance pour bon enseignant à l'occasion de la journée aujourd'hui. LDS dit dans son message que chaque fois qu'il nous réfléchit à l'avenir pays, ça y fait rappel que quantité de travail qui enseignant y en a et besoin fait pour dire bon enfants et la jeunesse. Dans son message, LDS y ajoute que travail et enseignant y a une vocation qui demande beaucoup l'engagement et qui ensemble avec parents zote la force qui forme caractère bon zen et guide zote pour gagner bonne connaissance et habilité qu'ils ont besoin pour l'avenir. LIS n'exprime gratitude pour bonne qui dans sa profession, sa qui peut travailler aujourd'hui et aussi un encouragement spécial pour bonne qui peut commencer zote profession comme enseignant. Et parti United Seychelles, il nous envoie un message pour bon enseignant. United Seychelles dit qu'il reconnaît le rôle que bon enseignant y joue dans la vie et développement société. Il aussi dit malgré tout métier, il y en a son importance. Le voisin enseignant y est qui donne la base et forme les autres métiers. Dans son message, United Seychelles y a ajouté que c'est aujourd'hui c'est d'une produit bon professionnel au niveau mondial qui peut réussir, emmène les autres contributions dans la communauté internationale. C'est grâce à bon enseignant qui dit pas hésiter pour partager autres les temps, connaissances et la sagesse avec bon zen. United Seychelles termine son message en disant que la journée enseignant y aussi fait rappel que dernier succès personnel chaque individu est bon enseignant qui partage une étape importante de la vie et qui guide autres vers réussite et succès. 3000 la case dans sa prochaine 6 ans, ça est proposé ministère responsable pour l'habitat pour adresser demande pour la case de bonne l'année qui peut venir. Ministre responsable pour l'habitat accompagné par son secrétaire principal, tu donne détail ça posé dans une conférence la presse bon matin. C'est une fait ça l'annonce pour coïncider avec la journée l'habitat aujourd'hui. Dakar s'approche 3000 la case, ça approche 6 ans. Secrétaire principal pour l'infrastructure, il dit identifier 45 endroits potentiels qu'on est capable de développer bonne projet la case. Là-dedans, 18 et bonne vieille estate qui ont envie de faire redéveloppement, qu'on bonne projet pour faire en phase, qu'on est pour bouger bonne résidence en musique l'endroit et quand il démolit. Par exemple, les Mamel Loa, nous avons bonne site société du logement que le gouvernement s'est installé. Plaisance Belvedere avec Pascal Villaz. Nous avons ex-teachers Pablo. Nous avons un parti qui a été testé qui peut tomber de sa poser 3000 la case.
nous avons XPSSW qui développe déjà avec en bas nos programmes 24-24, nous commençons une portion de développement. Et aussi, nous avons une dernière phase qui regarde plaisance. Et avec ce programme, nous sommes capables de remettre plus la case dans la bonne site et aussi gagner meilleures conditions pour les gens. M. Chopi dit qu'il y a aussi un site housing estate que tu peux continuer à grandir son projet. Et après, il y a environ 20 nouveaux terrains parmi l'Iloro que tu peux planifier pour faire un petit peu plus de 1000 units. Et après, il y a des zones de la terre gouvernement un petit peu partout à travers le pays que tu as un espace vide que tu es capable de développer. L'exemple, y plaisance, les mamelles, Belaza et aussi Ansoyal, bon endroit que tu dis, tu es capable de faire bon gros projet la case. Sa projet qui, pour le moment, est devant l'autorité plan, peut financer par le gouvernement LEN. Et M. Chopi dit qu'il suit la discussion qui président fort et non avec le gouvernement sa pays un peu de temps passé. Il est tout le temps capable de certains components qui le gouvernement cesse, il a besoin de mettre, dépendant de bonnes conditions de financement. C'est ma. En termes de construction lui-même et implémentation posée, ça est supposé sortir de son agrément. Il peut pas définir l'agrément du gouvernement NXSL de total amount, mais c'est moi, nous avons un bon travail préliminaire que nous pouvons faire. Nous pouvons voir, il peut poser peut-être environ 3,3 billions de roupies. Nous envisageons que peut-être nous capables, l'année prochaine, capables de commencer l'implémentation. Mais qui m'aille à l'occasion sa bonne la case pour gagner faire et lesquels qui prennent en priorité prennent en compte que la liste dans un petit peu plus qui 2110 moun qui peut contribuer activement et peut espérer pour gagner la case avec gouvernement. Priorité, situation à moun qui détermine son priorité. Ça y l'avantage qui vient avec système point. Pas dépend de moun qui oua, de moun qui ou kou faire comprendre situation. Et aussi chercher même qui cause pour et bon facteur que nous mettons dans le système point si vous avez pick up ça bon l'instance que nous sentons pour dire lundi mon il a besoin et pas pour dépendre le jour décidé ou un PS ou décidé ou un président ou décidé ou un ministre ou décidé ou doit oublier et pour dépendre ou bonne décision ou même qui va opérer rester ou bouger pour le bar rent si on veut faire aux enfants pour faire aux enfants qui va opérer rester qui garder la chambre que c'est famille en que c'est household bon facteur comme ça. Nous faisons travail qui est établi dans les périodes d'élection ou non. Faisons travail et rester. Nous peut travailler en lien avec le bon programme 24-24. Donc, nous n'avons pas de sens. Travail continue. Travail c'est qui il a il pas dépend le pays mondial encore pas dépend le moins pas dépend le campagne élection il dépend aussi à chaque du monde il dépend l'opposé quand opposé vient online. Le temps que tu me donnes détail, ça pose 3000 la case dans sa prochaine 6 ans que le ministère de l'Habitat puis entreprendre. Ministre Pamela Charlette, tu fais rappel que ça pose pas quelque chose de nouveau et qu'en effet, le président Ford a mentionné dans le discours de la nation. Il dit que ça a planifié pour donner détail, ça pose pour coïncider avec la zone internationale pour l'habitat qui aujourd'hui. Et que ça pose aussi venu là, qui pose 24 la case dans 24 mois, dans 24 districts et une presque complétée. Côte de Cadre s'approchait 354 units incomplétés et une grande fait allocation de 15 districts. Un projet dans le district Takamaka incomplété et peut espérer pour faire allocation. Quant à 83 units expectés complétés avant la fin de cette année, c'est dans le district Poglo, Ansoyal, Point de la Rue et Les Mamelles. Il y en a un projet English River, Plaisance, Cascade et Belom qui expectés complétés l'année prochaine. Sa ministère dit que même si ça pose 3000 la case de sa prochaine 6 ans, il propose national principal dans le cadre de ce programme social housing pour le pays. Ben les autres produits tels que condominium et self-financing, ils continuent pour les clients qui qualifient pour sa qualité de produit. Dans le grand batch la case qui nous peut mettre procéder à mettre unit dans l'Iloro, additionnellement, séparé avec ça, il y a une unité qui pour self-finance. Nous pouvons engager pour nous trouver une solution pour nous pas quitter personne derrière. Mais ce qui est important à noter là, tout ça, c'est self-finance avec condo et paiement dépend de qui est la situation market adaptée avec ce champ COVID. Avait dit à la fin du jour, nous pouvons finir tout le travail que nous avons pour faire. Nous avons un stage qui est une unit cost. Qui est la cause avec post nous ban applicant
Pour noter que dans le cadre de projet condominium avec GICC, il y a plusieurs allocations qui ont gagné faible dans l'année. Et ce qui reste, il y a une allocation et un bloc 10 units. Ça a expecté faire première semaine octobre. Et projet condominium qui a acheté avec fonds pension, il y a aussi dans plusieurs qui ont gagné faible. Et là, il reste 24 units de la somme qui allocation expecté faire plus tard ça mois. Quant à self-finance, déjà plusieurs units ont donné. Il a resté 5 units qui expecté faire allocation, il y a aussi ça mois. Et pareil, mon annoncé plus bonnet, c'est madame Daniela Joubert, enseignante français, côté l'école Pointe-Larry secondaire, qui a reconnaître comme enseignant avec plus longue temps service pour sa l'année, avec 45 ans service. Et madame Joubert, qui a reconnaître pendant la cérémonie à Rode Aniel, bon enseignant qui fait côté cette conférence internationale après-midi. La zone enseignante s'est celle commémorée pour première fois en octobre 1990. Salonnais fait sa 30e édition. Pour sa l'occasion, 27 enseignants qui font 25 ans service et sont récompensés. À côté de 20 délais, ils pour bientôt prendre notre retraite après différents longueurs dans les services. Les chargés de l'enseignant, ministre désigné, Mme Maxouzi Mordo, qui est en place ministre pour l'éducation et le développement des ressources humaines, Mme Jeanne Simeon, qui est le conseiller médical, qui dit que le gouvernement pour continuer à investir dans le développement professionnel de l'enseignant. For the last 30 years, we have celebrated the hard work, devotion, courage and loyalty of many Seychellois men and women who have dedicated many years of their lives to educate the youth of our country. They all deserve our utmost recognition and gratitude. Please join me in giving them a big round of applause. Dear awardees, on your journey, you have touched the lives of so many students in so many ways, and through your capable hands, you have helped shape their personalities and nurture their potential. Deep in our hearts, there is both a feeling of pride and nostalgia as we pay tribute to your many long years of service in education. Ministre Mordo, tu as une pensée spéciale pour un enseignant qui peut prendre une retraite et tu as aussi fait un enseignant réfléchir au thème international la zone enseignant salonnée qui a une relevance avec la situation COVID-19 que le monde peut traverser actuellement. Teachers leading in crisis, reimagining the future. The theme has been aptly chosen by UNESCO to accentuate the challenges that the unprecedented COVID-19 pandemic has brought upon us and constrained education systems worldwide in various ways. This theme also contemplates a repositioning of the role of teachers in building resilience and shaping the future of education and the teaching profession. Plus gros prix à l'année, il y a pour Madame Daniela Joubert, et enseignant français de l'école secondaire Pointe-Larry. Et tu commences à enseigner à l'âge de 15 ans. Et tu commences comme un enseignant général. Après une faire plusieurs formations, c'est celle à l'étranger quand une spécialiste de français. Il a aussi fait un peu de temps comme un député. Mais il dit parti content et décidé pour retourner dans la classe. Madame Joubert peut souhaiter travailler encore 10 ans jusqu'à son âge de retraite. Il est aussi un enseignant part-time pour l'Alliance française. Mimi Joubert dit qu'il son premier l'amour pour les vénéneurs et l'enseignement est supposé temporaire. Teaching est quelque chose qui finalement monte content et teaching il paraît c'est une profession il paraît une vocation connais les ou là dedans il paraît coup de famille et puis mon monde dit merci bon Dieu qui tenait moi toi le temps et aussi mon bon camarade enseignant qui accompagne moi à cause surtout les rentrer ou zen ou un peu perdu ou pas beaucoup on est pour faire à cause teaching une quantité ups and downs connais dans des jours quelquefois venir avec un bon monde ou venir même les enfants, ils cabent sans tout, tu comprends? Mais seulement, ils ont besoin d'une certaine qualité pour le teaching. Premièrement, ils ont besoin de travailler en équipe, ou pas pour travailler tout seul, et il faut de parler pour pardonner. Hein? Pour rester avec les enfants, à cause des enfants, ils ont fait en colère, ils peuvent dire, ils ne peuvent pas pardonner. Mais seulement, ils ont réfléchi pour 15-20 minutes, ou pour regarder ses enfants, pour regarder les enfants, les enfants. Il y a aussi une cadre directrice de l'école qui peut prendre une retraite la fin de l'année. Sa directrice de l'école primaire, Smoalo,
Gantosma et Glancy et Montfleury. Directrice de l'école primaire Montfleury, Mme Danielle Rantin, il fait 47 ans dans l'enseignement, 27 ans là-dedans comme directrice et il passe de plusieurs écoles primaires. Il commence à enseigner à la saison. Il a présent arrive la retraite qui dit qu'il peut espérer un peu le temps. Mon ambition pour ce travail, qui depuis le monde commence à travailler, je fais ça à l'ouvrage et il garde moi tout ça le temps à cause de mon content. Mon content faire lui. Mon content mon bons enfants, ou à autres grandir, ou à autres épanouir et ou à autres peut faire bien dans la vie. Madame Louisette Morel, l'ingé récompensée comme un enseignant fidèle, qui l'a pour aider organiser tout ça pour une célébration de la journée enseignant ici c'est cela. Des nouveaux cas COVID-19 ont été détectés au centre quarantaine Berjaya. En tout, il y en a 5 cas actifs sa virus dans le pays et les autres pays ont traité de bonne santé isolation. D'après le département de la santé, jusqu'à présent, c'est le record 148 cas COVID-19 et là-dedans 143 infini récupérés. Dimon Pegan a demandé pour venir plus vigilant et prendre précaution pour empêcher la transmission virus HTLV1, une maladie qui n'a pas trop beaucoup causé Lola. Pour sensibiliser plus de monde, le Saviris, un groupe étudiant sorti de l'Institut national pour la santé, NIHSS, qui organise une exhibition côté station SBC récemment. Cette exhibition est formée par l'étude dans FOMSAS. The Forgotten Virus, ou soit Saviris qui a oublié, et façon qui Saviris HTLV1 a décrit dans sa exhibition pour sensibiliser Timon Lola. La Sabane travailleur côté SBC, a sens qu'on plus et demande question le Saviris qui, d'après l'information, a découvert depuis en 1979, mais pour une raison ou une autre, pas trop gagne sa l'attention qui devrait être en vie son gravité. Flavie Dubel, enseignant qui peut accompagner sa groupe étudiant l'Institut national pour la santé NIHSS et dit que sa maladie y en a certaines similarités avec HIV. Son full name est Human T-cell lymphotropic virus type 1. Et il y en a une peu similarité avec HIV à cause de son virus, son structure, il est pareil et il spread un peu pareil. Il transmet un peu pareil, unprotected sex, abandon body fluids, mother to child et même à travers seringue, ben IV drug users qui servent seringue, d'autres cas transmettent camarades. Sa maladie, il y en a un bon symptôme, un petit peu pareil avec HIV, mais à cause de sa virus, il affecte au système de défense, il affecte un white blood cell, ben cellule blanc, qui combat contre l'infection. Et il y attaque aux cellules, et là, côté au système de défense, il affaiblit, et qui fait qu'il y a un bon symptôme pareil, glande ou un bon glande. Ou transpirer, ou gagne faiblesse, ou gagne ou les corps viennent faire une fatigue et sont bonnes complications qui y partent de suite mais y a long terme. C'est l'exhibition qui crée plus visibilité pour virus HTLV1. Il forme pas programme l'étude qui sa groupe étudiant NIHSS peut suivre dans le domaine FOMSAS. Là, à part de l'information de sa virus, je type passe bon message prévention qui encourage bonne bon pratique relations sexuelles, éviter patas aiguilles et les portes fêtes pour constater. Jacinta Malbouk, un sabon étudiant, il dit qu'ils ont choisi ça un virus vu que la quantité de cas peut augmenter dans ces cellules. Côté depuis janvier jusqu'à zin, il n'en a trois cas qui ont détecté parmi bonne madame enceinte. Il dit qu'ils ont souhaité que sa campagne et vienne non plus grand l'ampleur. Ça, nous campagne à cause nous l'école, mais seulement future midwives. Mon quoi, nous tu peux plus bon nous pousser le long l'ampleur plus haut. Et ensemble avec le ministère de la Santé aussi, tu peux plus bon. À cause du spread de awareness en général des pays. Comme si tout le monde, quand tu as pareil, HIV, tu peux plus bon. À cause de la HIV, HTLV1, presque pour pareil. Test pour sa virus, PDZ a gagné au fait que le département de la santé disparaît n'importe qui maladie qui gagne transmise par sexe. Ça a commencé depuis l'année passée. Suivant sa l'exhibition, SBC a contacté le département de la santé qui dit qu'il peut donner plus de détails sur sa virus à un autre moment. L'équipe CC est une sortie 45e dans 175 pays qui participent à la compétition Global Challenge.
une compétition qui testait compétences étudiants dans la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Ça l'en est à cause de la situation COVID-19. Bon participant pas capable à Dubaï pour prendre part dans sa activité, mais autant plutôt faire ça à travers Internet. Faire un avion en papier et tester distance qui est capable de voler, ils font partie posée bon étudiant de l'équipe Cécile qui ne prend pas de compétition Global Challenge Salonné. Sa posée avion en papier, il tombe dans le cadre de l'étude qui explique la façon qu'il observe en voler dans l'air, aerodynamics en anglais. Thème sa compétition Salonné, il connecte communauté. L'habitude sa compétition il fait Dubaï, mais en vue situation COVID-19, sa compétition il gagne fait à travers Internet. Pendant 13 semaines depuis les premiers tiriers jusqu'à le 25 septembre. Les autres projets qu'ils obtiennent pour faire, ils basent le média social, dessiner robot et tout son détail, dessiner l'équipement sécurité et ça l'équipe il fait un casquette. Les autres aussi font une évaluation qui teste les autres compréhensions le côté de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Directeur l'équipe Cécile de sa compétition, Xavier Stico, il dit qu'ils ont pour faire le nécessaire pour porter ce droit intellectuel, l'idée et dessin qui ça l'équipe fait. L'équipe s'est sortie avec un concept pour designer un robot qui m'a dit nous avons designé un robot pour étoiler nos lances. Automatiser sa process beach cleaning. Et ça a vraiment propel nous l'équipe beaucoup un peu sorti un peu plus bas pour monter à cause de ce design un bon robot et nous avons l'intention de build ce robot après avec l'assistance de nos techniciens pour des manifestes global aussi l'état ça design est posté si vraiment quelque chose qui demeure dans l'industrie il y en a il va gagner une propriété intellectuelle à cause de besoin conserver ça est important nous pour poursuivre ça. L'année passée, dans 165 pays, Cécile est sorti 121e et Salonné avec plus participants dans 175 pays, Cécile est sorti 45e. Un grand progrès qui montre l'habilité de l'équipe Cécile. Je suis très, très satisfait avec nos performances. Il montre que nous, l'équipe, nous servons aux recherches et nous développons. Autant dans l'aspect innovatif pour nous faire un mythe défi. Ça m'a défi qu'il met devant eux pendant 13 semaines. Étudiants sortis l'école primaire en Soupin, secondaire en Soyal, en Soualo, Beauvalo, International School, Independent School, ils forment ça l'équipe. It was fun, pleasant and very informative. I learned new things, new skills and most importantly, I made friends. It feels good to know that a lot of our work, a lot of the dedication we put in, a lot of the times we could have been elsewhere. It's paid off really well, definitely, especially compared to last year. Especially if, as we're a small island, we're pretty limited, but it's pretty good where we've come so far. L'année passée, parti même team, on est une fin plus dix, une travail plus. Et mon quoi nous tous là, nous t'y connais pour dire nous pour bien faire ça en l'année. We used some sets that they had, which were like basic science sets. There were some basic electronics. And they really enjoyed it. So it was something really basic and they really enjoyed it. Sa l'équipe in gagne lead avec 4 conseillers qui donnent tout sa support de sa compétition. Et parmi les professeurs sortis de l'université Johns Hopkins, Dr. Ralph Etienne Cummings, qui en a connaissance dans faire robot médical. I've worked on walking machines, I've worked on climbing machines and other self-driving cars and things of that sort. As well as flying ones, as well for that matter. So we come with with that experience that we'll hopefully be able to provide some additional guidance to the team. L'année prochaine, thème sa compétition internationale pour solutions innovatives pour changement climat. Et l'Institut national pour la science, technologie et l'innovation, NISTI, y envisage faire ça aussi le niveau national pour permettre les autres dimondes capables de participer. Président Danny Foyne participe dans un meeting au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour commémorer et promouvoir la journée internationale pour élimination totale des armes nucléaires. Dans une déclaration vidéo qui est enregistrée,
Président Foy lance l'appel avec les dirigeants mondiaux pour éliminer l'utilisation d'armes nucléaires en disant que les mondes sont fatigués et que à l'époque, quand il y a un bon conflit global, la pauvreté, problème climat, récession économique et une pandémie globale. Il dit que bon pays PDSA servit beaucoup de ressources pour faire face à bon défi et les mondes pas besoin encore un autre pour ajouter et bon menace qui déjà existait. Président Foy fait ressortir que l'élimination des armes nucléaires il devrait être basé au niveau humanitaire qui amène la paix durable, sécurité et développement soutenable. Et président Foy il envoie un message de solidarité pour président Donald Trump et son madame qui tous les deux ont testé positif pour le virus COVID-19. Il fait ça par le gouvernement et par ses lois et il dit qu'il espérait qu'ils ont récupéré. Président Foy dit que ça y bon les temps difficiles pour tous les pays et il y a une confiance que tous les pays pour s'y montrer bon défi si les autres continuent en l'unité. Et à l'occasion la journée bon enseignant aujourd'hui, il y a aussi en parti One Seychelles qui envoie un message pour autres et parti One Seychelles il dit il prend ça l'opportunité pour souhaiter tout bon enseignant et tout bon qui travaille dans le secteur éducation et bon la fête. Du président sa parti en cet ans, j'ai dit qu'ils ont un travail noble pour éduquer prochaine génération et forme bon futur dirigeant. Mais un travail qui nous fait remarquer pas si tant qu'on reconnaître. Monsieur Saint-Ange dit que nous sommes pas capables de remercier les autres assez pour ce travail dit l'engagement et dévotion dans sa profession. Monsieur Saint-Ange a aussi ajouté que bon enseignant il fait autre confiance qu'à la fin sa moi sa gouvernement qui a gagné électé a fait son devoir pour assurer que bon enseignant il gagne un salaire qui reflète son travail et gagne sens pour participer autres aussi les temps et prendre bon décision important au niveau gouvernement. Et nous pour repasser bonne grande petite nouvelle avant que nous termine bulletin. CC célèbre 30e la journée enseignant en baptême l'éducation et responsabilité partagée, thème qui UNESCO a choisi et Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. Dimoun Pegan a demandé pour prendre précaution pour empêcher la transmission virus HTLV1, une maladie qui son cas peut augmenter doucement dans le pays. Le ministère responsable pour l'habitat est expecté construire 3000 lacases dans sa prochaine 6 ans pour adresser demande pour la case. L'équipe CC est sortie 45e dans la compétition internationale Global Challenge. 74 îles dans l'océan Pacifique, Atlantique et l'océan Indien in demandent aux Nations Unies pour effacer toutes dettes pour être capables et toutes bonnes citoyens faire face avec changement climat. Et WHO commence une rencontre des eaux pour évaluer pandémie virus corona et réponse globale à sa maladie. Et c'est là aussi que nous terminons le bulletin pour aujourd'hui soir. Madjou, merci beaucoup pour l'attention.